Bonjour Gilles, pouvez-vous vous présenter brièvement? Gilles Alemann, je suis responsable des services marketing chez Groupé. À titre personnel, quel est votre attachement à Neuchâtel Xamax? Ouais, je dirais qu'il est assez fort. La chance de vivre l'époque dorée de Neuchâtel Xamax. Attachement, évidemment, on n'est plus à cette époque-là, mais évidemment que le cœur il reste attaché. De toutes ces années, un joueur en particulier qui vous a marqué? Si je devais en dire un seul, je dirais Ulrich Tilike, qui au moment où il arrive à Xamax, c'est quand même le capitaine du Real Madrid. Donc c'est quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui. Xamax moderne, je dirais Raphaël Nuzzolo. Parce qu'il y a une longévité aussi dans le club, une fidélité qui est assez rare. Ça mérite aussi d'être cité. On est dans des circonstances différentes, à une époque différente, mais voilà, aussi un symbole du club, j'ai envie de dire. Groupé est sponsor depuis 2005 de Neuchâtel Xamax. Expliquez-nous le lien fort qui s'est créé entre le sponsoring groupe et puis notre club. Déjà depuis 2005, ça veut dire une quinzaine d'années, donc ça veut dire que c'est une histoire qui date déjà un peu. D'être présent sur Neuchâtel avec finalement le club phare du canton, d'être sponsor d'une équipe comme Neuchâtel Xamax, c'est aussi finalement redonner un petit peu à nos clients, d'avoir ce soutien local, de montrer notre présence locale comme on le fait finalement à Fribourg avec Fribourg Gotteron. Retrouvez-vous des valeurs communes entre le groupe et Neuchâtel Xamax? Oui, bien sûr, en premier lieu, je dirais, il y a la proximité. Donc, le club est ancré localement, très fort. C'est suivi aussi par les Neuchâteloises et les Neuchâtelois. Ensuite, il y a la durabilité. Donc, la durabilité, ça veut aussi dire que c'est un club qui est là depuis longtemps, qui va être là encore longtemps, on espère, qui travaille aussi pour les jeunes. Il y a une Xamax Academy qui a pour objectif aussi de former des jeunes. Je dirais pour nous, ce n'est pas uniquement le soutien de la première équipe qui est importante, mais c'est aussi le fait qu'il y ait des jeunes qui soient formés. Quels seraient vos souhaits pour l'avenir à court terme ou moyen terme de Neuchâtel Xamax? Ce qu'on peut souhaiter à Neuchâtel Xamax, c'est d'acquérir une certaine stabilité et puis, je dirais, d'être compétitif. J'espère qu'on aura toujours des jeunes de la région, que ce soit des Neuchâtelois, des Fribourgeois, des Biennois par exemple. Des gens du cru auxquels les gens puissent s'identifier. Je pense que c'est absolument clé pour Neuchâtel Xamax. Et puis si on arrive à trouver un petit peu un équilibre entre tout ça, je suis persuadé aussi que les résultats peuvent suivre de même que l'attrait du public.